C'est ça qui fait nous. C'est pas parce qu'on est à terre Haïti qui fait l'obligé contre toute bagaille. Qui ça guerrier dit? Ouais là c'est Tizo qui là, c'est déporté là, tout c'est qui tombé. Ça c'est Finel qui là cagouse âme qui tombé là. Maintenant, mes informations guerrier Henri Baye là. Vin garder avec sur écran. Dit guerrier vin garder ça que s'il te gagne information là t'a pique correct avant hier parce que m'ta tendu sur tribotant la caille. Monsieur dit que gagnon famille dans zone Kwè Beaumont sous Grandanse. C'est nèg ça qui travaille pour Izo, c'est la famille André. Désolé. Le monsieur dit ça, me saisit parce que me dit ah monsieur gagne information. merci Kino, King Kino, avec des zones mezé. Et gagne toujours branché, on va pas brancher non. S'il t'a fait négligence, me tout rappeler ça, attendez oui. Ouais, image qui sur écran. Écoutez. L'homme de des guerriers ba information ça, monsieur dit que gagne yon famille dans zone Beaumont sous Grandanse. C'est la famille André. C'est yo travail pour nèg 5 secondes yo. Dit ah monsieur fouillé. Effectivement ça monsieur dit c'est vérité. Sauf li pa de gen ça pour le te corriger ça le dit. Koun ya m pa konnen ce que monsieur pas de les deux frères André. Les frères André. Bon dit les frères André. M pa konnen si monsieur fait partie de frère André ou bien s'il était cousin André. Mais ça seulement Henri pas de gain pour le décorer information que t'a bail là. C'est parce que Daniel André que n'a regardé sur l'écran, monsieur a été mortellement blessé par les forces du l'ordre et qui côté monsieur tombé, monsieur relé Daniel André alias Ogou, papa là monsieur c'est un Ougandier. C'est monsieur habitué travail pour nèg 5 secondes yo. Monsieur sorti et pour le rentrer en bas avant hier pour rentrer dans Matisse en 2B. Monsieur habillé en femme. Monsieur met ton perruque dans tête li et nèg te gen contrôle monsieur pendant la sorti. Monsieur touché mortellement, monsieur tombé le bas levé. Monsieur relé Daniel André alias Ogou et effectivement monsieur c'est nèg grand dans lié. Monsieur sorti, selon l'information que nous joignons, yo dit monsieur sorti dans zone abricot. Et bon monde de ben abricot. Henri, m'ba fin songe, mais yo dit monsieur sorti dans zone abricot sous Grandanse. Donc monsieur c'est ou nanek d'ailleurs. Ba là tellement aller plus loin, yo dit monsieur son nek tout konfeti ba ou quelques policiers. Et monsieur trahi, monsieur il est trahi, il dit j'ai l'impression même nek qui vide monsieur à terre contre monsieur bien. Yo dit monsieur tellement son nek qui konfait bon petit bagay. Ça va bien même pour quelques policiers qu'on font ti bagarre mais monsieur vient trahir Konya et on connaît là côté gain plus cob là et puis monsieur al continue à faire bagarre pour nèg 5 secondes monsieur relé Daniel André et ben monsieur mortellement blessé avant hier pendant la sortie de Matisse en 2B selon information que la police partageait. Bon elle me dit la police bon quand même des policiers partageaient avec nous Daniel André. Est-ce que monsieur fait partie du frère André dont parlait Guerrier Henri, mais de toute façon, monsieur Relé Daniel André alias Ogou, monsieur son Ougan, monsieur Konvin fait bagay magie pour nèg 5 secondes yo, monsieur mortellement touché par les forces de l'ordre. Amartisan 2B. Bonsoir Haïti, bonsoir le monde. Éclate-nous social la patrie à l'ouest! Adieu mon Dieu! C'est millier! Encore, ok, on allait là rapide. Nous prenons frappe, nous perdons gros matériel qui est très utile à la police dans le cas d'opération. C'est l'image ça qui est sous écran, malheureusement, que la police perd du pelle mécanique ça, qui est très utile. Là, moi, image là, me réfléchis. Parce que, un simple cocktail Molotov va d'abord bouler matériel ça comme ça. Parce que il prend du feu.
Sauf que m'gal montre une autre image qui a fait réfléchir parce que grand pile débat a fait sous lui. Mais avant de venir sous ça, gon l'autre bagaille qui a attiré attention. Parce que ou konn sa k passé et li biblique oui, Bible dit que mandé ou a joine frappé ou aval ouvrir pour. Bandi yo profite, yo pren ou libre là. Yo fait tête yo passer pour héros. Et m'bral parler sous policier tombé dans de l'eau. M'bral faire garder plusieurs angles pour nous essayer comprendre. Ça seulement m'a dit que comment faire bandi yo arriver dans niveau pour yo venir prendre image matérielle là. Et comment faire récupérer les armes qui dans main policière? Quel que soit son nèg pral expliquer là pour me comprendre, il est difficile. Ça veut dire zone là il pas protégé. Zone là il encore en bas contrôle gang yo. En campé là. Cependant, quoi ba m'a dit c'est que c'est pas bandi ou vraiment qui boule matériel là. Yo profiter de absence policier au gonya pour prendre poste que c'est yo boulel ou bien yo doit venir agiter ça et si policier ou pas là yo doit qu'on y a profiter agiter continuer mettre faire du feu à puis propager mais matériel là il prend du feu pour contre lui ça veut dire matériel là pas en bon état mais yo voyer quand même dans opération parce que pas puisque ça te passe oui le fait que nous l'état qui en mode cocourade grapiaille. Libanon matériel qui est en mauvais état, matériel là tombe en panne pour contre lui, il prend du feu. Et ça te fait policier à courir pour le sauver tête lui. Malheureusement, monsieur, bon, la vine sous ça tout à l'heure. Mais, gomba qui attire attention. C'est le mal gardé ou bien mal tendé que m'bral fait entendre. M'a expliqué nous pour un pile monde qui peut-être pas parler français. Tendez bien, oui. L'homme garde moi matériel là de bouler gon seul bagay vin dans l'esprit moi. On dit bon, son problème l'état qui pa gagne. On te commencé critiquer policier en pile oui. On te commencé mal frapper nèg yo. Après ça me dit tete attention chef là. Faut mal poser question pour me comprendre plus bagay. Matériel en bas quoi gon 5 minutes. Côté lié en bas. Comment tu yo le fait couper? Comment tu yo a fait gen temps à bailler l'huile? Jusqu'à ce que le pack a résisté à frappe. Eh ben OK. Pas un problème. Là la police te recevoir 17 motocyclettes ça. Te gen pile parle en pile zoli. Il dit oh la France pas respecté nous au contraire même connecté dit que a fait marathon. Pour yon fait la police cadeau plusieurs motocyclettes. Moi-même, c'est parce que m'a pas décidé d'entrer dans rien quoi de pour avec l'argent sur les réseaux sociaux. Je m'dis ça publiquement. M'a pas rentré dans rien de gain marketing, bagarre, ramasser quoi encore sur les réseaux sociaux. Pour ça, nèg sot fait m'passer là sur Muscadet. Ouais, jusqu'à présent, machin pour délivrer, non, mais elle paye déjà. C'est parce que a fait tout touche là-dedans avant au Bali pour l'assurer que nous avons un bon bagage. OK, mais machine a délivré bientôt. Mais une PL garantie que une PL déjà, machine là. OK. Depuis une prend décision pour pas rentrer dans ken bagain pour Akob. Ba dans promoter bagaille l'argent, ba dans prend décision ba Akob, ça c'est moi. OK. Ou nèg qui t'a écrit là dit tété en fond bagaille pour ba la police bagaille. Mais non. Ambassadeur français ya, Fabrice Mouries, quoi monsieur relé. Monsieur dit que c'est pas lui-même, c'est pas la France qui décide pour faire Haïti cadeau 17 motocyclettes. C'est la police qui mande aux 17 motos. Nous interview réalisé sous métropole avec Wendell. Théodore que me salue. Wendell pose toute question yo. Monsieur répond. Monsieur parle plusieurs bagailles. Monsieur montre que police là pas efficace là
c'est parce que peuple a pas investi là-dedans. Ayo Bill, sous ces haïtiens authentiques à pour fin tant de discours ça, sous pas tant d'elle déjà. Réfléchis. Et puis dites tout. Est-ce que délivrance pays Jésus compte blanc lié? Tenez bien ça me dit là. Sous ces haïtiens authentiques. Ouais, même si c'est français, bien des petits français facile ou à comprendre. Ou à comprendre. Tenez bien. Tes petits John là pour les den tunnel sous pas fin comprendre bien. Tenez bien, oui. Et ça lui dit ouais, yes, petit John là pour les den tunnel sous pas fin tendre. Écoutez. L'homme fin tendre ambassadeur me tremblé. Monsieur dit que c'est pas la France qui m'a dit cette moto, c'est la police qui m'a dit. Ça dit ça au mandé ça au bail. Wendell dit monsieur mais est-ce que vous pas mandé quelque blindé? Monsieur dit non. Et la police m'a mandé aux voitures. Et dans 2 semaines la police a recevoir une quinzaine de voitures. M'parle toi. Bon vendredi, de monsieur. M'a fait quelques petits commentaires très intéressants sur l'interview. Merci à Wendell Théodore et m'salue toute l'équipe de Métropole. Merci pour l'interview et son extrait. Monsieur Kunka a retendu toute l'interview ça sur Télé Métropole, sur YouTube. Et, mais n'a pas de beau parti là d'elle, environ 10 minutes comme ça, entendu. Côté, on va passer là. Altelus, en dans votre fourmi, à pour tout pour. Michel Bert, t'es bien. On de la PNH reçu de la France les 17 motos. Les 17 motos. Vous étiez très présent, ou encore l'ambassade de France était très populaire ces derniers temps sur réseaux sociaux. Je sais que ce don a suscité des commentaires et même parfois une petite polémique au sein des réseaux sociaux. Mais je dois vous dire que cette polémique n'a pas beaucoup d'importance, mais je l'ai trouvé quand même un petit peu injuste, parce que pour plusieurs raisons. Et si vous me permettez de développer un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai trouvé cette polémique un peu injuste, je le ferai volontiers. Je crois que d'abord, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait ce don à la demande de la PNH. Je crois qu'il faut le rappeler que c'est la PNH qui nous a demandé. Allez bien. Bah c'est ça notre deal. Eh ouais français hein. Bah c'est ouais l'incroyable là son mélange lié. Il nous fait donc ça. Mais c'est la police qui mande. C'est la police là qui demande nous. La PNH qui nous a demandé. Et police là qui demande nous. A dit yo mande nous ça, nous bayol. Mais c'est pas nous décider bayol comme ça non. Tenez bien, oui. C'est pas comme si nous-mêmes qui décidons par eux, non? C'est la police qui te mande nous. Et ça te fait dire que li trouve polémique ça, li pa gen place li. Parce que c'est pas nous qui décidons par eux. Ah, elle va comprendre par eux là. Un don en moto. Absolument, c'est la PNH qui nous a demandé un don en moto, en auto, en automobile, en différents équipements, et c'est ce que nous allons faire toute cette année. Et donc ce que j'ai expliqué lorsque nous avons fait ce don, c'était que ce don faisait partie d'une première tranche, d'une série de dons que nous allions annoncer pendant toute l'année. Simplement, il se trouve que là, nous avons commencé non seulement par les motos, mais nous avons également commencé par l'inauguration d'une génératrice au commissariat de Port-au-Prince, qui est situé sur le Champ de Mars. Pourquoi nous avons fait le don d'une génératrice? Tout simplement parce que le commissariat de Port-au-Prince n'a plus l'électricité d'EDH. Et donc, je crois que... Attendez. Et bien, seulement, moto, le bail, il y a une génératrice tout. Et c'est ça, on a dit dans le pays, là. Il a dit que le commissariat à Port-au-Prince, et dans Blackout, là, fonctionnait. Parce que EDH pas existé. Il n'y a pas de courant EDH, nous obligés à acheter une génératrice pour nous faire un cadeau. Et pas seulement moto, nous avons une génératrice, nous avons un Delco. Vous comprenez ça, nous avons mélangé. Alors, un pays, ça. Pas de problème, non? Alors que gros millions a gagoté, regardez là, dans le cap, combien l'argent a gagoté? Alors que EDH pas qu'à fonctionner.
employé de HAP fait manifester. Yo en grève. Hein? Pas gen courant. Son pays difficile. Ah, un problème. C'est un petit peu compliqué pour les policiers de préparer leur mission sans avoir d'énergie, sans pouvoir communiquer, sans pouvoir avoir un commissariat en état de marche sur le plan énergétique. Mais est-ce qu'ils vous ont dit, au niveau de la PNH, est-ce qu'ils ont dit avoir besoin de 17 motos ou d'une dizaine de motos ? Non, ils ont besoin de beaucoup plus de motos que ça. Mmh. Ils ont besoin de beaucoup plus de motos que ça. Simplement, il se trouve que là, nous devons faire des arbitrages au sein d'un certain nombre d'équipements qu'ils nous ont demandés. Il y avait un don de 17 motos qui était immédiatement disponible, nous avons fait ce don. Moi, je vois pas. Alors, excusez-moi, monsieur l'ambassadeur, c'est que les critiques vont dans le sens que c'est un peu, je dirais, faible comme don, c'est moins de 20 000 dollars, ce qu'un particulier, par exemple, pour un particulier riche, un homme d'affaires haïtien pourrait faire. T'as déjà, monsieur, pour répondre à ça, Wendell Tabdil. Wendell dit, monsieur, mais critique, il y a dans le sens que n'importe nèg qui gen ti bay nan men la Haiti ka fè, la police kado 17 moto. 20 000 dollars là, c'est bagay fanatique tiko zéro là. Avant de finir l'émission, on déca collecter entre nous. Et bah ça, c'est ça Wendell dit, monsieur. Tandis comment il va le répondre. Et monsieur, techniquement, li kase maintenant men nèg qui gen kob Haiti auto. Oui? Techniquement, monsieur kase maintenant men peuple là tout. Oui? Parce que monsieur dit, sous la police dans l'état critique. Et monsieur dit, ba nous les informations que nous ne pas connaître. Et monsieur dit, en moyenne, on croit, en moyenne, policier, nombre de policiers parmi l'habitant, c'est à 2,5 ou 2,7. Haïti, on croit, c'est 0,07 ou bien 0,7 lié. Alors que là, quand il voit, il y a 3 pour combien? Monsieur dit, pays n'a pas investi dans la police là. Ah, ayon, Bill. Ce don, mais malheureusement, oui, mais attendez, je crois qu'il faut pas mélanger, il faut pas mélanger les choses. La police haïtienne, elle est financée non pas par les particuliers riches, elle est financée par l'impôt. Mm-hmm. Elle est financée par l'impôt que doivent payer tous les Haïtiens. Le problème fondamental de la police haïtienne, c'est qu'elle est sous-financée. Elle est sous-financée et donc elle est sous-équipée et elle est sous-dotée en ressources humaines et en ressources matérielles. Si vous regardez les statistiques internationales, vous constaterez que la police haïtienne présente la particularité d'être parmi les plus sous-dotées au monde. Mmh. Et je ne parle pas de comparaison avec des pays développés comme la France, comme l'Europe, comme les États-Unis. Mmh. Je parle de comparaison avec les pays voisins de Haïti. Avec la République dominicaine, avec la Jamaïque. Moi, je vous invite à regarder les chiffres, j'invite tous les auditeurs à regarder les chiffres et de méditer ces chiffres et ensuite de réfléchir à la raison pour laquelle nous donnons des motos, mmh. ou nous donnons des automobiles, ou nous donnons des véhicules, mmh. ou nous donnons des génératrices, ou nous donnons aussi d'autres équipements sur lesquels je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'il y a des choses qui sont aussi secrètes. Oui, mais on va y arriver de toute façon, monsieur le ambassadeur. Est-ce que ces motos répondent aux normes? Est-ce que ces motos-là... Ces motos répondent aux normes qui nous ont été demandées par la police nationale haïtienne. Très bien. Donc okay. C'est la police nationale haïtienne qui nous demande un certain nombre de véhicules, qu'ils soient des véhicules de motocyclettes ou des véhicules automobiles, et nous les donnons dans le cadre de notre coopération. Mais je voudrais quand même revenir sur le point central, parce que je crois... Où est-ce qui passé? Ça dit, Wendell comme intelligent tout, la PC lagué ballon dans pied, monsieur, où était ballon dans quand il voyait dans quand la police? Wendell dit, monsieur, mais est-ce que motocyclette ça yo, c'est bon moto capable de faire route? Nous yo capable, comprendre, est-ce que on répond? Et Jean Haïti est là, gen qualité véhicule qui a roulé là-dedans. Monsieur, mais non! Qualité moto Wendell, là, c'est la police qui m'a demandé nous qualité ça comme ça. Je ne pas qu'on est, yo pas pas démenti blanc. Yo pas j'aime démenti blanc pour dire menti bah et pas ça ou demandé. On prend mes blancs dit que et bah yo décider bah moto wa non. Non seulement c'est la police qui mandé yo, mais qualité so wa yo bah la police qui dit c'est ça même pour yo bah. Eh ben nous connaît moi pas qu'on est bat là, m'mandé avec nous. Que à chaque problème, il y a chaque solution ou chaque initiative de notre part répond à un diagnostic. Mm-hmm. Quel est notre diagnostic? Et je me permets d'insister là-dessus parce que j'entends beaucoup de commentaires
qui ne partagent pas ce diagnostic. Moi, je vais vous dire quel est notre diagnostic. Notre diagnostic, c'est que la PNH, aujourd'hui, souffre d'un problème capacitaire. Mm-hmm. Elle n'est tout simplement pas assez nombreuse et pas assez équipée pour faire face aux crimes organisés, aux gangsters et à l'ensemble des troubles à l'ordre public ici en Haïti et en particulier dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Mm-hmm. Cette analyse, qui est un problème capacitaire, nous l'avons basée, nous le basons sur des éléments qui sont objectifs, des éléments chiffrés. Ces éléments chiffrés, quels sont-ils ? Moi, je me base par exemple sur ce qu'a dit la représentante spéciale des Nations Unies, Madame Salvador, au dernier Conseil de sécurité, qui nous explique qu'il y a 13 000 policiers l'ensemble du pays. Mais ça, c'est un débat, ça, très important. Et ça, son information. Je dis, d'après ça, représentant l'ONU en Haïti, tu dis que il y a environ 13 000 policiers sur l'ensemble du pays. 13 000, oui. Moi, nous on a dit plus que 15 000. Ça dit, ça qui sous fiche légale, il y a 13 000. Cependant, t'assemblée, c'est seulement 4, c'est seulement 9 000 qui légalement reconnu. Comme si qui actif, elle me dit, bamba reconnu, mais qui actif. Je vais dire ça là. L'autre 4 000 là, t'as bien pas connu, il y a une nature là. Ça veut dire, et pour la sécurité du pays, t'assemblée pas même gagner 10 000 policiers. C'est quelle va comprendre ce qu'a parlé là. Son pays difficile. Allez, monsieur, pas nos informations là, tout, oui. Un effectif théorique, parce que ce sont les 13 000 policiers qui sont payés par le ministère des Finances. Mm-hmm. Et en fait, il y en a 9 000. Uh-huh. Donc déjà, il y a un écart entre les policiers effectifs, qui font des tâches policières, mm-hmm. et ceux qui sont effectivement sur les fiches de salaire. On peut se poser les questions pour savoir pourquoi il y a un tel écart. Mais admettons ce chiffre de 9 000. Ce chiffre de 9 000, si on le rapporte à la population, on arrive à un taux d'à peu près 0,7 policiers par 1 000 habitants. Mmh. 0,7 policiers par 1 000 habitants. Alors qu'en moyenne, il est supposé 2,5 ou plus. Ah bah, y'a un pile, oui. Mmh. Bon, quelle est la norme qui est recommandée sur le plan international ? La norme qui est recommandée sur le plan international, c'est 2,2. Mmh. Donc 0,7, 2,2. Ça, c'est la norme. Quelle est la norme ? Quel est le chiffre en République dominicaine ? 3,1. Quel est le chiffre ? En République dominicaine, 3,1. Alors qu'en Haïti, 0,7. Ah. Si John, tout n'est pas ça, vous, peuple là. Hein ? Chiffre en Jamaïque, 3,7. Non, tunnel pour peuple. Et ceux qui sont effectivement sur les fiches de salaire. On peut se poser les questions pour savoir pourquoi il y a un tel écart. Mais admettons ce chiffre de 9 000. Ce chiffre de 9 000, si on le rapporte à la population, on arrive à un taux d'à peu près 0,7 policiers par 1 000 habitants. Mmh. Bon, quelle est la norme qui est recommandée sur le plan international ? La norme qui est recommandée sur le plan international, c'est 2,2. Mmh. Donc 0,7, 2,2. Ça, c'est la norme. Quelle est la norme ? Quel est le chiffre en République dominicaine ? 3,1. Quel est le chiffre en Jamaïque ? 3,7. Donc nous sommes dans une situation où en Haïti, il y a 4 à 5 fois moins de policiers par habitant qu'en République dominicaine ou en Jamaïque. Donc les raisons de l'insécurité, elles sont là. Elles sont fondamentalement là. Et ça nécessite quoi ? Ça nécessite un effort de tous pour refinancer. Vous savez, il y a un débat actuellement aux États-Unis sur le defunding de la police, des forces de sécurité. Le defunding, il est à Haïti et il est à Haïti depuis longtemps. Mm-hmm. Depuis longtemps, les Haïtiens ne payent pas assez pour leur sécurité. Mm-hmm. Tous collectivement, ce n'est pas la faute de tel ou tel. Je ne jette pas la pierre sur tel ou tel. C'est aussi la faute de la communauté internationale. Nous-mêmes, nous avons fait des erreurs. Nous avons arrêté notre coopération avec la police pendant des années parce que nous pensions que les choses étaient réglées. Nous pensions que la MINUSTA, nous pensions que les efforts nationaux avaient réglé le problème. Ce n'est pas le cas. Mmh. Donc aujourd'hui, nous réinvestissons ce dossier. Nous le réinvestissons avec des moyens qui sont croissants. Est-ce que c'est suffisant ? Non. Est-ce que nous aimerions donner plus que 17 motos ? Oui, et nous allons le faire. Maintenant, parlons justement des véhicules attendus. Il y aura des blindés aussi, non ?
Nous n'avons pas eu de demande de blindés de la part de la PNH. Ok, donc on aura des voitures de police. Oui. Attendez. Wendel m'a dit, monsieur, est-ce que nous avons blindé tout dans ça là-bas? Monsieur dit que la police n'a pas demandé blindé. Ok. Alors, dans la demande de la police à faire, il n'y a pas de gain. Même si, ou, parce que, là, on m'a dit, pas forcément parce qu'on m'a dit, ou a besoin. Mais ou gen doit quand même tenter. Faut qu'on tente. Et comme ça, oui. M'a souvent répété ça de Edgar de la Selve, qui te dit que pour mériter l'estime, il n'est pas indispensable d'avoir fait de grandes choses. Il suffit de les avoir tentées. La vie, certaines fois, il fait de chance. Faut qu'on tente. Il fait de risque. Faut qu'on prenne risque. Faut qu'on tente. Bon, si, non, tout bagarre va demander yo, ou pas même tenter pour t'amander ça. Ça lui dit que, sous tes mains des blindés, peut-être, ou pas, j'en connais. Mais ou elle dit que, nous, y'a pas demandé. Y'a pas demandé blindé, y'a pas besoin de ça. Y'a pas gain de temps pour ça. Et il y aura des voitures de police. Nous allons continuer à investir en matière énergétique, dans le domaine des génératrices, parce qu'il y a un énorme déficit énergétique. On espère pour les voitures. Là, nous allons faire un don d'une quinzaine de voitures supplémentaires dans quelques semaines que nous allons annoncer. Et nous allons continuer cette... Moi, ce que je veux vous dire simplement, c'est que nous avons augmenté notre effort en matière de police de 10 fois par rapport à ce que nous avons fait l'année dernière. Mmh. Voilà. Et si nous dépensons notre argent, rapidement, si nous arrivons à fournir ce que nous nous sommes engagés à fournir rapidement, eh bien, nous en aurons plus l'année prochaine. Mm-hmm. Voilà. Je présume, monsieur l'ambassadeur, que cette demande s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les gangs, contre l'insécurité. Est-ce que le gouvernement n'a pas demandé des armes, n'a pas demandé des munitions? Sinon, pourquoi? Bah, c'est-à-dire, non, je ne dis pas que le gouvernement ne souhaite pas avoir plus d'armes et de munitions. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des choses dans le cadre de ce point de coopération que nous pouvons faire et des choses que nous ne pouvons pas faire. Mm-hmm. Là, en ce qui concerne cet argent, ce budget que nous avons, c'est un budget qui vient du ministère des Affaires étrangères, c'est un budget de coopération, mm-hmm. et donc nous ne pouvons pas, sur ce budget, acheter des armes et des munitions. Mm-hmm. Mais notre budget, coopération, il n'y a pas des armes là-dedans. Nous n'avons pas besoin de courir pour te bourrer. L'idée que nous n'avons pas de moto, nous n'avons pas de voiture. Et n'a pas génératrice, il pas gen affaire zam. Donc pas vinn pote bourre Wendel ou pense ou pral gen blindé ak zam. Il dit premièrement, il pas mande blindé. Deuxièmement, il dit que li pas dit gouvernement pas ta souhaité ou renn plus zam. Non, mais dans cadre coopération que yo gen ak Haïti, yo même yo pas dans affaire zam. Donc gen ba yo ka acheter, gen ba garanti yo pas ka acheter. Et yo dit bon réponse la clé. Finalement, ça ne veut pas dire que la police haïtienne soit dans l'incapacité de le faire par elle-même. Après, si vous voulez, ce que nous allons fournir, ce sera autant d'argent qui pourra être consacré à l'achat d'armes et de munitions. Mm-hmm. Ça, c'est à la police nationale haïtienne de faire les arbitrages budgétaires qui lui conviendront pour acheter des équipements létaux. Mais encore une fois, et je reviens sur la question parce que je crois que je ne suis pas encore assez clair. Et votre question montre que je ne suis pas assez clair, donc je vais réexpliquer. Même si c'est clair pour moi, monsieur l'ambassadeur, mais ça doit être clair pour le public aussi. Vous pourrez donner 1000 fusils ou 1000 fusils mitrailleurs à la police. Si mm-hmm. vous n'avez qu'un seul policier pour l'utiliser, ça ne sert à rien. Mm-hmm. Donc voilà, la question. Le problème d'effectif. La question, et c'est une question. Oui, bien sûr, c'est la question fondamentale. Mm-hmm. C'est parce que depuis des années, je dirais même peut-être depuis des décennies, depuis que la police existe, la police est sous-équipée par rapport aux besoins du pays. Et ça, c'est une. On vous dira que la PNH est jeune. Ben, elle est jeune, elle a 30 ans. Mm-hmm. Avant, il y avait les forces armées. Donc, la police et les jeunes, oui, bien sûr, mais le taux de pression fiscale aussi en Haïti, il est faible. Mmh. Il est faible. Mmh. Encore une fois, vous me dites, c'est d'ailleurs assez significatif, les Haïtiens aisés pourraient acheter 17 motos à la police. Oh, ça, le problème, mal. C'est qu'ils ne le font pas. Uh-huh. Le problème, c'est qu'au contraire, ils louent les policiers pour leur sécurité. Aïe, aïe, aïe. Non, non, là, j'ai besoin de John. La société est bien petit parti, ça, monsieur dit là. J'ai besoin d'arriver là et c'est tout fini là, tout. Extrait ça, j'ai fait de l'en dire. Attendez bien.
Monsieur pas content parce que Haïti a attaqué le pays li la France à cause 17 motocyclettes. Bon tout net y parti ça pour me faire entendre li net la société. Sécurité privée. Nous ce n'est pas notre conception. Non, t'allez. Conception de l'ordre public et de la sécurité publique. Je ne dis pas que le gouvernement ne souhaite pas avoir. T'allez, bon, quittez là, ma fin de tout tirer ça. Attendez bien, monsieur, don bay. Ouais, bay, ça. Si nous te gen moun comme si nèg sa yo te kon pren conscience ou encore te gen sentiment, yo te ka révolté. Monsieur dit, n'a critiqué la France parce que nous bay 17 motos. Monsieur dit, Wendel, ou évoquez tout à l'heure gagné, grand nèg qui te ka fè, la police cadeau, ti kob sa, $20,000, fè ou cadeau 17 motos. Monsieur dit, ok. Mais nèg sa yo di ya, yo pa investi nan police la. De préférence, tande bien comment blap manke dégare. Comme c'est français, monsieur parle, c'est l'anglais. Gardez comment blap manke dégare en français. Tendez bien ça, monsieur. Moi, je fais entendre ti patia, mais faut me tout dire grand monde moyo qui pas parler français. Et pas tout, non? Ouais, mais si là pas parler français, il pas comprendre langue colon. Eh, vous, je devrais faire des jours kay ponyon et pour ka aider grand monde yo comprendre plus clair. Eh, on attendre tété à tout. Oh, nous perdu mamimila. Mamimila li mouri d'après sa sœur Nancy Delva dit moi à l'âge de 93 ans, nous perdons un grand monde dans l'équipe là, nous souhaitons condoléances à toute famille mamimila que nous saluons. Et nous saluer des parler 93 ans que son âme repose en paix. Écoutez, faut me tout expliquer grand monde moyo qui ça le dit. Il dit que pendant la critique la France qui bail 17 motos mais grand nègre dit qui était capable investir qui te cache 17 motos ou pas investir dans police là au contraire. On en exa ouvert yo loué policier hôpitaux. Tade bien oui. Tenez bien, oui. Monsieur dit, au contraire, nèg sa yo, yo loué policier plutôt pour al sécuriser business yo. Pour al sécuriser magasin yo. Et de fait, son vérité le bail. Bon ami qui dit, mais, t'as le bas la vam tap gade un commentaire qui dit, comme si monsieur, pour ces blancs qui y a plus, qui y a plus détails sous police là, parce que nous. Et c'est normal, c'est yo qui finance, commande, c'est yo même qui a dirigé nous. Ces trois pays dirigent la police là, oui. Les États-Unis, le Canada et la France. D'ailleurs, France te font campé. Ils pas vraiment coopérer, ça font temps, ils retournent. Mais États-Unis et Canada, c'est deux pays qui dirigent la police noire. États-Unis surtout en matériel, Canada en termes de formation. Qu'on y a tout, ils ont un matériel tout. En fin de monsieur, et puis, et nèg qui grand nèg Haïti, yo. Comme nèg sa ou sans honte, mais réfléchis. Tande qui sa ambassadeur français a dit pour un titan réfléchi. Et c'est pure vérité le balai. En fin de plus d'armes et de munitions. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des choses dans ce cadre, dans le cadre de ce plan de coopération que nous pouvons faire et des choses que nous ne pouvons pas faire. Là, en ce qui concerne cet argent, ce budget que nous avons, c'est un budget qui vient du ministère des Affaires étrangères, c'est un budget de coopération et donc nous ne pouvons pas, sur ce budget, acheter des armes et des munitions. Mais ça ne veut pas dire que la police haïtienne soit dans l'incapacité de le faire par elle-même. Après, si vous voulez, ce que nous allons fournir, ce sera autant d'argent qui pourra être consacré à l'achat d'armes et de munitions. Mmh. Ça, c'est à la police nationale haïtienne de faire les arbitrages budgétaires qui lui conviendront pour acheter des équipements létaux. Mais encore une fois, et je reviens sur la question parce que je crois que ce n'est pas, je ne suis pas encore assez clair. Et votre question montre que je ne suis pas assez clair, donc je vais réexpliquer. Même si c'est clair pour moi, monsieur l'ambassadeur, mais ça doit être clair pour le public aussi. Vous pourrez donner 1000 fusils ou 1000 fusils mitrailleurs à la police. Si vous n'avez qu'un seul policier pour l'utiliser, ça ne sert à rien. Mm-hmm. Donc voilà, la question. Le problème d'effectif. La question, se pose. C'est une question. Oui, bien sûr, c'est la question fondamentale. Mm-hmm. C'est parce que depuis des années, je dirais même peut-être depuis des décennies, depuis que la police existe, la police est sous-équipée par rapport aux besoins du pays.
Et ça, c'est une. On vous dira que la PNH est jeune. Ben, elle est jeune, elle a 30 ans. Avant, il y avait les forces armées. Donc, la police, elle est jeune, oui, bien sûr, mais le taux de pression fiscale aussi en Haïti, il est faible. Mmh. Il est faible. Encore une fois, vous me dites, c'est d'ailleurs assez significatif, les Haïtiens aisés pourraient acheter 17 motos à la police. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Le problème, c'est qu'au contraire, ils louent les policiers pour leur sécurité privée. Nous, ce n'est pas notre conception de l'ordre public et de la sécurité publique. C'est une politique publique que nous voulons promouvoir ici en Haïti. Pas la sécurité pour les happy few, pas la sécurité pour certains, pour surveiller leur partie de tennis, par exemple. Non, ça, ce n'est pas notre politique. Notre politique, c'est que nous voulons reconstruire un État ici en Haïti. Nous voulons aider Haïti à reconstruire un État. Ça passe par des politiques publiques, ça passe par de l'aide, ça passe par des dons. Mais ça passe aussi par un effort haïtien, pour prélever davantage d'impôts et pour financer prioritairement. Ok, notre police. Yo parle avec nous, yo parle avec nos sentiments. Et parce que nous ne doit pas comprendre. Blanc tout dit que bon oui, yo ka toujours aider mais et puis, c'est nous haïtiens pour prendre responsabilité. C'est ça blanc dit là, oui. C'est ça blanc dit là. Il dit que oui, nous capables toujours aider. Mais c'est nous, Haïtiens, qui pour prendre responsabilité. Pas de problème. Sauf que, oui, tu as eu un programme des Nations Unies pour le développement. En février 2022, tu as dit que la police a eu une force de 15 474 policiers. Parmi eux, il y a 1712 femmes. Eh bien, il n'y a pas de femmes même dans la police. Là. Donc, ça qui correspond à un ratio police-population de 1.3. Agent pour 1000 habitants, elle était 1.3, oui, et habitants qui en baisse par rapport à 1.33 en octobre 2019, donc ratio ça est largement inférieur à un norme international qui c'est 2.2. Eh bien, bon, monsieur dit qu'on y a c'est 0.7, bon, je ne sais pas. En tout cas, entre février 2022, et Nations Unies dit que c'est 1.3, et monsieur qu'on y a aujourd'hui, elle dit c'est 0.7. Entre chaque Nations Unies, on y a ce qu'il y a mais et bah il mélange dans mais non en tout cas que 0.7 que 1.3 de ou faible parce que là quand voisin il 3 point combien a dit nous dans que camionnette là pas un problème et nous là toujours pas un problème son pays difficile est très très difficile mais là prend petit temps pour nous comprendre et réfléchir. OK, on quitte ça là parce que pays ça son pays qui fait avec problème nous lever joindre plein problème et même sous un tab goumé pour nous ta résoudre problème là pas facile. Et zami boko ougan on est qu'il me semble beau mon nek beau mon yo mal fecté eh beau mon oui eh beau mon oui yo mal fecté nous pas connait nous pas connait. OK, on retourne sur sujet ça n'était commencé qui fait me dial prend son ambassadeur là pour me dire qu'a montrer dans quel niveau police nous va fonctionner. Tant qu'on a pour un USGPN, si ben a un petit chèque. Après, un pile plein, il y a autant de pays. Il y a le national, il y a un policier, pas qu'à jeune manger, il pas qu'à jeune de l'eau, pas mal. Josué Pierre, ça m'a donné que ça a créé trop de frustration dans le pays. Il y a Josué Pierre Louis, pour n'en parler national, comme petit président, Josué Pierre Louis, pour qu'on ait normalement, ou pas capable de vivre là. Ah, il est pas normal. Ça veut dire que son pays difficile pour que Josué Pierre Louis pour la responsable parler pour que tout déblosaille ça dans parler là Josué. Moi mais ça te m'a demandé ULCC et à tout DCPJ tout. Faire enquêter sur parler national. Faut enquêter sous base USP, USGPN 4 team, faut qu'on comment ça fonctionne. C'est pas normal parce que faut qu'on fournisse garde une administration pour gens va gagoter on sait que bagarre puis policier au même dans situation tête chargée. Ça dit Josué Pierre Louis par raison. Faut en parler, n'ai couper manger vous depuis premier ministre couper manger pour en parler oui. Ah monsieur nous méchant pile. Bon monsieur, m'pas comprendre. Les nèg gen un corps légal k'a bal on corps exam k'a bal sécurité puis l'a maltraité.
Et yon pa pou yon même, non? Parle pa gen de l'eau, non? Oh! Ne gade parle yon pa gen de l'eau pou yon ben, non? Na yon tout senti yon pa parle yon la kayo, oui? Et bon ba yon ma dou la, oui? Gade parle pa gen courant, Josué Pierre-Louis. Ah, monsieur, nous, bon, vous mouen da honte. Comme si, ne yon pa gen de l'eau, pa gen courant, pa gen manje, gade parle, oui? Même son n'est pas un président, mais yo, c'est yo là. Yo pas gen travail, yo pas pour une sécurité président, non? Yo c'est agent USGPN. Comme ko wè parle al pa gen président, le symbole. Parle à là, même si elle crase li là. OK? Ta di policier ça affecté dans parler. Gen ki gen n'importe 20 25 ans là dans parler. Comme policier, comme garde parler. Gon traitement que policier a dû joindre. Là, il pas responsable s'il ne pas faire élection dans le pays. Là, il ne pas faire élection, il faut ne pas détruire gang. Parce que nous connaissons, nous avons pouvoir, nous n'avons jamais un pays encore. Nous avons profité de nous. Et vous, moi, monsieur, nous avons tout privilège. Permettre aux policiers de se faire monsieur. Il va normal. Il a dit, comme mes amis, nous passons une vieille génératrice. Depuis qu'elle 8 heures, passe le bloc. Depuis qu'elle 5, 6 heures, bagay, quoi. Alba normal. Ayo pile. A dit grand journée qu'on y a policier obligé nèg on gè raison ça sa cher marche. Parce que si nèg a gen besoin là, yo al toilette, pa gen de l'eau toilette non, pa gen de l'eau. Josué Pierre lui pa là. Il va s'il va là, pa gen de l'eau. C'est pas normal. Donc Josué Pierre lui pa raison. Donc m'pense ça n'a fait al pa bon. Et m'pense nous pas pourri dans non plus. Ou pas jouer, ou pas bêtise avec nèg qui pote exam comme ça. M'quitter ça là, m'pense un grand timoun nous comprenne. Mais sauf que m'dou ou nèg qui pote exam pas bêtise avec ou comme ça. M'pa di plus sur ça. On retourne là la société. Image nous pral garder là. Nan tan normal kote gen haïtien k'ap réfléchi, ça te ka fè dlo koule nan jin. N'te choisi pou m'pa passe image sa, parce que le déjà viral sur réseau yo. C'est vrai gen dwa gen moun ki poko janm wèl. Parce que gen moun pa bon menti, c'est nan le ti koze a seulement ou suiv information sur Haïti. Mais m choisi passe l parce que gen deux bay m'ral explique la dan, jusqu'à trois bay m'ral explique la dan. Et ça krive a li grave. Mais situation bandi mette un policier là sous li centenaire là tout près portail Léogan là tout près théâtre national en face village de Dieu mais ça qui passé et on va l'expliquer nous exactement qui ça ba lanier ban moins retirer ça pour ka wè toute action en net ça krive a parce que là ba yon ti crasse compliqué. OK. Et m'bral expliquer nous, m'bral même pose image là pour nous wè ça qui passé policier ça. Éclatement social la patrouille l'ouest. Action mon Dieu. C'est millier. La belle a pral pété. Mauvais condition. Policier. Mais ça, monsieur, expliquez qui passe. Gardez l'image là. Peut-être gon l'autre bagay que m'bral fait, non, ouais. Et m'bral expliquer nous deux bagay là-dedans. Entre temps, est-ce que monsieur son policier? Peut-être son policier. Et parce que vous pas connaît, mais comment bagay là? Mais comment? Un type pelle là qui brille là, te gen toi nèg là-dedans, incliné goué kap koure nan l'eau. Premier blende à l'elvin, le pelle là, boule al pa ka déplacer. Premier blender nèg yo gèt vin krasé rétroviseur li pa wè bien. Lè l'avance pa bak. Parce que ti pèl la pou sot nan pòt pèl la. Pou rentre nan pòt blender, c'est pas mais ça fait non. Parce que pèl la pi wo, c'est pas même un pòt machine comme si son bay ki fait classique, son bay ki fait ou konnen en zigzag. Lè dé nèg gèt sorti